Salut à tous, c'est Tardarine. Je suis en compagnie de Katox, Weirdmake et Atemir, et on va se lancer dans un multi à 4 sur Baldur's Gate 3. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Salut. et salut. Et ça fait comme une intro qui est terrible, Ah sans ouais? contexte. Ah ouais, là, c'est. Faut peut-être leur dire de pas manger avant, quoi. Ah mais putain, par contre, c'est vrai que la cinématique, mais je l'avais jamais Ouais. vue. Eh bah, je t'avoue, la fin, là, mon Dieu, Ah, faut t'aurais pas préféré ne pas regarder la ça, quoi. voir. T'es pas à l'aise, hein. Ah non, Moi, non. j'ai déjà vu pas mal de fois et je dois dire qu'à chaque fois, tu vois, je ferme les yeux, hein, tu vois là. C'est vrai que pour l'avoir vu une bonne dizaine de fois déjà, j'ai un peu de mal. Ouais, Donc, j'aime pas. comme vous vous en doutez, très chers viewers, ça va être des soirées entre potes. On va bien s'amuser, on va bien s'éclater. J'espère que vous allez également apprécier. Et attendez-vous à l'imprévu. C'est tout ce que je peux dire parce que je sens que ça peut partir en couille à tout moment. Sur le Non, moment où t'as si. dit imprévu, j'ai sélectionné ma classe barde. Eh, c'est déjà pas si mal. Magnifique. C'est pas mal ça. Magnifique. Tu t'es pas trompé déjà, c'est bien. Oh non. Je sais déjà plus ce que j'avais dit que je prenais. Ah, c'est Voilà. embêtant. On Ouais, est parti sûr. je me Je suis fait des prends screenshots. Comme un. Ouais, ça, t'inquiète. je me ferai pas avoir. C'est ça que j'avais pris. Alors, Ability, on avait Ah dit oui, qu'on il faut que je prenait retrouve quand même plutôt le screenshot en question. Stamina. Ah ça, il a fait un screenshot, mais c'est plus où il l'a mis. Ah si, 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 faut juste que j'y aille. Alors, c'était le toucher glacial que j'avais pris, moi. Froid glacial, pardon. Alors. Ouais, Ah, c'était j'ai là, ouais. vraiment le. J'ai pris l'archétype du support presque hors combat, quoi. C'est discussion avec les animaux, charme personne, amitié. Moi, Ah, mais toi, je serais un déjà. mage assez volubile. Alors, Volu. c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de, il faut refaire son perso aussi. Ouais. J'étais content moi de l'avoir fait en live et là, quand on a vu qu'on pouvait pas charger les personnages, j'étais un peu dégoûté. Ouais, ça saoule un peu. Après, Ça l'avantage, saoule c'est que tu sais grave, ce que ouais. tu prends, mais. J'espère que je vais rien oublier. Ça, j'ai mon sort, mes caractéristiques. Le mec, il fait un live pour faire son perso et derrière, il fait autre chose. Ce serait tellement la loose. Cet enfer. Mais putain. Toi, t'avais pris. C'est vrai que j'ai pas pris en photo les trucs de mon perso. Je me souviens à peu près de ce que je voulais faire. Ah, c'est pour ça que j'ai pris des screens de tout, parce que sinon, on va y passer 3 heures. Tout à fait. Mais oui. Il me restait un truc où j'étais pas hyper décidé, mais bon, en vrai, ça va aller vite. Ok, là, je crois que je suis bon. 8, 13, 14, 16, 13, 12. Donc un mage orienté intelligence et sagesse. Avec 8 Normalement tout est bon. PV. Moi, je me suis quand même mis 10 en force parce que je trouve que dans certaines situations ça fait vraiment pitoyable. Moi, le Ouais, gars, mais bon. j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, je sais plus quoi, mais il y a un truc en tout cas où vraiment. Je Y a sors but en quelque intelligence. part. Manifestement, je vais pas être très intelligent, je crois. Je vous préviens. Je vais être un peu le. Enfin, la Toto, du coup, de la bande. Moi je vais être aussi teuteux, hein. J'ai 8 en intel. Pareil, j'ai découvert qu'on pouvait Merveilleux. mettre du négatif pour avoir plus de points ailleurs, j'ai donc mis du négatif. Ah bah ça a été la même. Mais en fait le truc d'intel c'est ce que je me disais vu que les des sorts qui sont sur l'intel il n'y en a pas des masses. Mais bon par contre ceux qui sont sur de l'intel en saving throw tu vas. Il vaut mieux pas que tu les loupes parce que sinon tu deviens bah grabataire quoi. Grabataire. Ah vraiment, ouais. Les trucs c'est vraiment bien sale. Ah non, c'est pas. Alors, Ouais, il bon. restait quoi? Ah oui, il restait cette merde là. Parfait. Ah, l'hétérochromie. Ça va être bien ça. T'avais des yeux de couleurs différentes, toi? Ouais. Bleu elfique 1 et vert elfique 1. Très Bleu parlant. elfique 1 et. Ah! Oula! Il faut que ça soit le fic, mais si tu veux les voir, tu peux cliquer sur toute couleur d'yeux. Ah non! Ah oui, j'avais pas vu ça! Ça va tout Et on est changer? parti Pas pour du tout. 40 minutes. Ça va tout changer? Pas du tout. Non, c'est plus. J'ai pas trouvé la dernière fois et donc je comptais un peu sur vous. Où est-ce qu'on met le nom du bonhomme? Ah oui, c'est faut faire Proceed et après tu mets ton nom, c'est ça? Ouais, Diabolo. ça.
Ok, Yavol, Yavol. Et change cette histoire-là, et on était censé prendre quoi? Moi, je mets le meilleur accessoire du monde. Non, pas tout de suite. Parce qu'il faut... J'ai quand même créé tout mon personnage autour de un seul truc qui apparaît en dernier temps. Et ça, c'est beau. La beubar? C'est plus que la beubar, mon gars. C'est la stache mou. C'est vrai, c'est super. Et là, elle vient d'apparaître. Le super roi de moi. Ah, elle est belle comme tout. Elle est belle comme tout. Ah ouais. Quel enfer. Elle est splendide. Splendide. Ah, on est sur un beau demi-elfe. Là. Donc je fais le récap de chez moi. Demi-elfe des bois. Barde. Avec moquerie cruelle, parce que ça je peux pas faire sans. Insulter les gens à mort, c'est quand même très très la puissant. Ami pour avoir des avantages. Un soin à distance. Une attaque à distance. Parler avec les animaux et charmer des gens. On est bon. Ouais, de mon côté, j'aurais donc un petit froid glacial pour faire des désavantages sur les morts vivants, un trait de feu, une main de mage, une illusion mineure, de l'armure de mage, évidemment, deux nappes de brouillard, de la graisse, de la vague tonnante pour repousser les ennemis trop près de moi, des couteaux de glace pour faire bobo et des projectiles magiques. Voilà. Et niveau compétences, bah, escamotage, discrétion, les deux en dex. Ça, je les ai de base. Et puis sinon, toutes les compétences en charisme, je les ai toutes. Ah ouais, carrément. Je suis un barde, quoi. Tromperie, intimidation, représentation, persuasion. Le gardien, c'est un truc important, quoi. Le quoi? Comment? Le gardien. Ah! Bah, c'est tu en rêves la nuit. Ok, ouais, on fout quoi. Non, mais ça sera dans mes cinématiques à moi et pas chez vous, quoi. Tout ouais. À fait. C'est pas grave si c'est... Je vais refaire... Hop. Et toi, tu fais quoi, Weirdmec, déjà? Hein? C'est quoi ton perso, déjà? Je suis un... prêtre de la tempête. Et la race, c'est même pas la peine de le demander, on le sait déjà. Oh bah, tout sauf nain, bien sûr. Tout sauf nain, bien sûr. Bah, évidemment. Cette race complètement useless. C'est sûr. Il est. Ah, je vais vous laisser la surprise, vous allez voir la race tout à l'heure. Attention, ça va pas être un nain, mais ça va être un nain noir. Ah ah, ah et voilà. Nuance. Et voilà. Nuance, nuance. T'as les moyens de faire de ces trucs. C'était... Excellent. J'ai quasiment fini moi à créer la... l'ange gardien. Ah non, j'ai pas fait la wave. Je refais l'archétype de la gosse quoi. Ah tu l'as refaite? Ouais, peut-être avec des couleurs un peu moins criardes, mais quand même. Moi je suis resté sur madame elfe aux cheveux d'argent, aux yeux d'argent, avec une allure de warrior de l'infini. Je peux quand elle même mettre la moustache s'il faut. Stylée. Je peux lui mettre la même moustache et ça casse un peu le personnage. Ah, tu peux mettre une moustache à ton ange gardien. Oui. D'accord. Oui, exactement. Ah, et des couleurs de cheveux complètement improbables. Voilà, juste une dernière vérification. Hop. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas du tout préparé cette histoire d'ange gardien, je vous avoue. T'inquiète, à la bouche, je me suis encore parce que vu que j'ai. Moi, dans je l'ai bossé. Le, doute, hein. Le moi, random, je l'ai bossé, c'est hein. Magique. Le random peut donner vraiment des trucs. C'était pas possible. Quoi. C'était pas. Enfin, je pouvais pas. C'était pouvait pas être une waifu. Quoi. Là, ce n'est pas possible. Non, tout n'est pas ça. À un moment donné, bon, il faut se respecter quand même. Normalement, si je fais partir à l'aventure et que vous êtes tous pas prêts, ça laissera en stand-by.
Au pire, on va voir ça tout de suite. C'est bon. Bon. Faisons un test tout de suite. Parfait, en attente d'autres joueurs. On se retrouve tout de suite pour les viewers, on se retrouve dans 2 heures pour les autres. Voilà, on est de retour. Ce timing. Pile pour la cinématique. C'est trop beau. Vous avez vu un peu. Elle claque pas mal les cinématiques quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Les trois gros. J'adorais le petit, le petit William Scream. Je l'ai eu. Ouais. Non, mais en vrai, ce truc pour cette épée là. Ah, c'est craqué. Hein. Ah, grave. Le mec il shoot la guitare et hop. J'ai une case en bas à gauche pour dialogue privé. C'est. Je coche ou je passe pas. Non, ce dialogue privé, tu peux l'activer en fait quand tu veux. Je pense que quand tu veux pas que les autres puissent voir ce que tu es en train de voir.
Ouais, copain, écoute. Et c'est ouais. Comme sur Norme, no joke. Oh, bah, il est déjà parti loot, quoi. Hein? Il est déjà parti loot. Ah oui, en fait, regardez, je vais faire un truc très, très différent. J'ai fait un nain. Ah, je suis déçu. Pourquoi tu veux? Je vais premier lancer de dés. Ah, voilà, un petit 18. J'adore la cinématique en fait du lancer de dés, je voulais le montrer tout de suite. Mais ça, et moi je peux crever. Bah, attends, salaud. Pour la nursery, là, t'es dedans là? Tu fais la. Normalement, tu peux cliquer sur son personnage, t'as une petite oreille qui apparaît. Ah ouais. Et tu peux écouter, et c'est... mais c'est lui qui fait ses choix. Ah. Bah, bravo. Oh, ici, c'est le seul... Ça c'était pas prévu au programme. Merci, merci. Eh ben moi je me casse. Hein. Alors je sais pas. Voilà. Mais bon, on commence déjà à faire le nain. Moi je retourne dans mon pod. Par contre j'ai trouvé de l'or. Je dirais rien. Ouais. Normalement il y a pas mal de trucs à looter sur cette tout, petite section. À tout moment j'ai trouvé un coffre que j'ai looté. Oh t'as déjà. À tout moment. Non mais nous sommes un groupe. Un groupe uni. Tiens, bonsoir. Ouais, moi j'ai perdu un peu mes sautants. Ah bah toi aussi. Oh. Oui, non, c'est... ici en fait on est un peu comme dans la phase introduction tutoriel, donc t'as des points de restauration qui te font comme des longs repos non-stop. Ouais mais je. Tu vois, si j'ai envie je peux te taper, tu vois. C'est... On a découvert oui, ça je... tout à l'heure. Je sais. Ouais ça. On va peut-être éviter hein. Qu'est-ce que ça fait oui, si je fais ça? C'est sûr. Ça c'est sûr. T'es charmé. C'est bon, vous avez tout looté, y'a plus rien à prendre. Alors je sais pas ce que ça fait que tu sois charmé, mais t'es charmé. Bah c'est ouais, je sais pas parce que moi je peux encore me déplacer. Vas-y, essaie de me déplacer. Non, y'a rien, c'est... Si je fais des jets de charisme avec toi, t'es charmé, c'est tout. Non, c'est juste que tu peux pas attaquer... Quand t'es charmé, tu peux pas attaquer le lanceur du charme. Et s'il balance des... S'il veut faire des choses sur du charisme avec toi, il aura des avantages. Note que comme c'est un nain, j'aurais dû faire communication avec les animaux. Exactement. Tu t'étais plus relevé. Bah alors toi, mec, t'es caché loin. Je pense que bon. Je vais pas pouvoir te soigner, bizarrement. Bah, je sais me soigner moi-même, bizarrement. Après, t'es pas censé être un mec qui balance des spells d'éclair. Hein. Bon, on attend Arda. J'arrive. Ah, tu vas voir, ça va être... Il est où Arda, il... Et en attendant... voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Oh, reine de la haute mer. On a pas un... Tu crois qu'on peut faire un slash dance? Ah bon, il y a pas de chat écrit. Je pense pas. T'as, bon. T'as récupéré des trucs? Allez, on passe. Non, j'ai rien récupéré. Hein. Vous aviez déjà tout pris. Oh. Ah, tu passes à travers ce truc là, on sait pas trop ce que c'est, mais. Oula! Eh mais. Ah. Oh putain. Oh là là. Oh, quoi, le barde, je l'aime pas, moi. Hey, pareil, les tablettes là, je sais pas ce que ça fait de les. Alors là, ok. De les lire. Est-ce que ça rajoute des connaissances ou pas? Eh oh. Hey, bah, ciao, je me casse moi. Ah, oui, il va aller voir là. C'est possible d'y aller. C'est pas. Ah, c'est petit vilain. Coffre, là, ouais. Mais j'ai encore oublié la touche pour. Alt. C'est Alt. Ouais. Je, il me semble que c'est ça que tu cherches. Exactement. Putain, mais ah oui, le mec, il est mal en point. Hein. Oh, ça va, c'est... Écoutons donc ce qu'il va lui dire. Ouais. Ah, c'est, qui parle, que... c'est Arda, le main caractère. Bah, c'est juste lui qui a lancé la conversation. Si c'était toi, on t'aurait vu toi. Et ouais, je comprends. C'est comme introduction tutoriel, c'est trash. Ouais, j'avoue. Ah, par contre, les dialogues, on peut. Ah, on peut dire des choses, nous, si on a. Ouais, non, je pense que c'est. Ah, on peut suggérer, genre, moi je suggère ça. Ah, trop bien, il y a l'icône de ton bonhomme, c'est stylé. Bah, ouais. Comme ça, on peut dire de. Tu vois. Remove us from this body, from this case, free us, please.
Alors. Est-ce que. Oh, je vais investiguer. Ah non, attends, t'es un sorcier. Genre attends, je te file mon bonus. Tip, paf. Un petit guidance. Okay, je peux te filer inspiration de barde aussi, comme ça. Ouais. Ça c'est stylé en vrai. Moi c'est un cantrip, hein. c'est pas un sort. Oh. Ouais, ça se met, moi c'est un sort, j'en ai que 3. J'ai réussi. En vrai, c'est hyper stylé que tu vois tout, qu'on puisse voir tous les bonus comme ça. Donc, il faut que tout le monde participe aux conversations, ça c'est le mieux. Ou quand quelqu'un a un lancer de dés, il attend que les autres viennent pour. Je pourrais briser le crâne, mais j'ai pas de force. Non, mais t'as avantage en médecine. Ah, ou alors t'as médecine, non? Ouais, t'as avantage en médecine, regarde. J'ai un avantage en médecine. Allez. Ouais, ça devrait aller. Hein. Oui, bon. Je pense que ça devrait aller, oui. Ah mais en plus guidance tu peux le faire à chaque lancer de dés du coup. Oui. Ouais c'est un comme trip. Alors mais c'est overpété hein, c'est pour ça franchement les clérics c'est assez abusé les avantages que tu peux avoir. Ah, c'est pas du tout trash déjà ce qui se passe là. Ouais je pense que moins de 12 ans c'est bon. C'est dans ces moments là où tu comprends le Piggy 18 sur les jeux. Oh, j'adore le dialogue là qui me dit vas-y maltraite là. Ah ouais vas-y mutile le cerveau. Toi t'es vraiment pas gentil hein. Ah non, alors moi je vous dire. On est juste tous les trois. On est juste tous les trois là-dessus. Ah 15 quand même hein. Ouais ça devient chaud. Ah bah loupé. Loupé. Oui, foiré. À 15 ça monte déjà pas mal hein. Ouais. Ah surtout parce qu'on est niveau 1 quoi. Tiens prends ça. Ah. Mais à ton avis, c'est quoi c'est tu loupes le fait qu'elle réalise pas que tu l'as mutilée ou tu loupes juste de la mutiler? Bon, on est d'accord, hein, on va lui braver la gueule. Ah, bon. Il y a des risques. Ouais. Ah, et comment elle vous a guidé tout. Oh. Passage en mode tour par tour. Ah ouais, c'est moi là, tiens, prends sa vie. Hein. Et voilà. On a donc les tours, aussi les tours sont simultanés, ça veut dire que si on a plusieurs, donc si tu as des ennemis entre nous, c'est chacun son tour. Par contre, s'il y en a deux dont les initiatives sont collées les unes aux autres, les tours sont simultanés. Par contre, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Ah. Bah écoutez. Moi non plus. Non mais si. En gros les tours, quand tous les gens, tous les personnages joueurs qui sont en même temps, on joue en simultané, c'est ça? C'est ça. Je peux vous piquer votre tune. Oui, tu peux nous pickpocket si t'as envie. Ah là, je suis sur l'inventaire et en gros j'ai accès à tous les inventaires donc. C'est vrai. Ouais, Katox, j'ai acheté piqué ta thune à toi, mais Katox il est trop loin, j'ai pas pu lui piquer son argent. Tu m'as piqué ma thune à moi? Oui. Mais enfin. Ah bah c'est parce que je suis trésorier, tu sais. Oui, les nains et l'or comme toujours. On gère super bien l'argent, vraiment. Ah après, là faut tip it fire. Mon bateau en bois, je l'ai tipi de fire comme ça au moins. Ouais, ça c'est les options plongée. Attendez, je comprends pas là, ça m'a affiché un bouclier alors que j'ai pas de bouclier de. Ouais. Ah, j'ai lancé une cinématique, manifestement. Bah dis donc, un personnage un peu roux, quelle surprise. Oh bah dis donc. Roux et c'est une femme, dis donc. T'es toute seule, on est quatre. Mais ça. Je tiens à dire qu'on me voit pas dans la cinématique. On te marche dessus, si on voit le bout de ton crâne. Ah c'est pas juste. Ah si on voit. Ah t'es là derrière. Ouais regardez. Moi on me voit pas. Ah si je suis caché bien derrière toi, pile dans l'axe. C'est ça. Je crois qu'on voit un bout d'une oreille. Oh! Attends, c'est moi qui ai choisi là. Non, j'ai cliqué en même temps. Mais quel enfer! Ah,
take control of our ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. T'as pas l'air content. De... Wow. Que tout cela est esthétique. C'est splendide. En vrai, je trouve que c'est hyper intéressant comment ils gèrent les cinématiques. Le fait que t'as des angles de caméra différents, etc., je trouve ça hyper chouette. Ah, attendez, vu que j'ai jamais... Ça, jamais ça a totalement changé par rapport à, la, à l'alpha. C'est trop bien. Ah bah, au revoir. C'était... Ah, ça commence bien, dis donc, oui, il y en a déjà un qui est passé par Timor. Moi, je vais aller m'occuper de ça. Ouais, là, c'était Thunderwave. D'accord. Et là... Ah, mais je l'ai OS. Oh non, bah, quel enfer. Oh non. Oh non. Je peux pas me déplacer assez vite, quel dommage. Mais j'ai mis fin du tour, pourquoi je... Parce que on joue tous en même temps, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah d'accord. On a tous ces... Toutes les initiatives sont collées les unes aux autres, donc ouais, on joue tous en même temps. Vu que je voyais personne bouger, je croyais que c'était moi qui posais problème. Par contre... Bien joué, vas-y. Ouais, c'est le moment. Est-ce c'est que toujours le moment de faire de la musique. Oh lolo. Ah. Et si pourquoi dès que vous avez terminé le tour, pourquoi c'est moi qui joue Josie là? Bah. Ah, parce qu'il faut. Parce que Stock a lancé le dialogue, donc Stock joue Josie. Allez. Ok. Alors attends. Comment on et fait donc vous voyez, quand vous avez l'interface de fin de tour, vous voyez donc les actions de chacun, qu'est-ce qui reste, et vous pouvez vous dire que ah ben non, en fait, j'ai pas terminé en fin de tour, il me reste une action bonus à faire ou une action, etc. Ah yes, ouais, c'est super. Donc cool. la barre orange, c'est le déplacement, le point. C'est donc, l'action. Vert, c'est votre action. Et le triangle orange, c'est l'action bonus. Yes. Est-ce qu'elle peut tirer? Oui. Et tiens, dans tes dents. Oh non, il a save. Et bah, c'est la fin. Échec critique. Quel dommage. Mais, bon. Voilà, il n'y avait rien à faire. Hein. J'étais au taquet. Moyen de loot, je te rassure, il y avait des choses à faire. Putain, vous avez déjà looté le Mind Flayer. Non, mais à un moment donné, il faut agir vite. Parapon. Hop là. Ah, on va pouvoir. Restoration. Ah oui, alors, pardon, je risque de. Par contre, ça a totalement changé par rapport à l'alpha, quoi. Ouais. C'était hyper chouette, moi j'adore. Et... Comment on fait pour tremper son bâton dans quelque chose? C'est la première ligne, enfin la ligne en bas, tout à gauche. Ouais. Normalement, si t'as rien changé. Impossible d'y aller. Menmire, dégage de là. C'est pas beau. Si, c'était toi. J'ai glissé, chef. Hop là. Sauvegarde moi, de famille. Plus de Josie, là. Vous voulez pas la récupérer? Non, mais c'est bien, tu peux la garder. Je suis très content que ce soit toi qui l'ai prise en main. Après, vu que... Je suis ravi. Moi, je pense pas. Tu peux pas me la filer? Bah, je sais pas, il faut gérer ça dans les options, je pense. Je sais pas. Voilà, ça te va. C'est direct, on est dans le body horror, quoi. C'est très... T'es à moitié vivant, là, c'est... Ouais. Comment on avait fait là tout à l'heure Non, c'est pas ça. Attends, le party view. Laisel, elle bouge plus. Hein. Bah, elle est chez toi. C'est toi qui l'as, regarde. Ah oui, c'est ça. Je te l'ai refilé. Yes. Ah oui, c'est via le truc de session là, ou je sais plus quoi, dont on avait vu tout à l'heure. Ça. Ok. Je voulais mettre moins fort le son du jeu, y'a pas moyen. Attendez, copains, ce serait bien. Ah ouais, je suis. Oui, mais. Ouais. C'est Arda, il a touché le bouton qu'il fallait prendre. je suis même pas dans la pièce. Bah, du coup, super, j'ai fait des du coup, du coup, vous, quand on a commencé un combat et que vous venez d'arriver, vous pouvez mettre en furtif. Et agir en furtif. Ouais, mais j'ai pas de mouvement en perso. Ce qui vous donne de sacrés avantages. Je suis caché. Vas-y, je peux tester ça, quoi. Bah, ah non, j'ai raté. Pas
dans le doute. Peut-être qu'il va être. Il va être charmé. Et qui sait. Par ta puce. Le point de vue est exceptionnel. Oh, il a raté, quelle chance. Oh là là, GG. Eh, j'étais pas loin, fais gaffe. Oh, t'inquiète. Tu sentiras rien. Tiens, il a un loot, le sculptiste ce qui a sacrifié ici, il a un loot spécial pour toi. Yes, super, j'ai gagné. Un mug. Ça, je m'en fous, hein, je peux te piquer dans ton sac. Ah, c'est... Y a un coffre, mais je peux pas l'ouvrir, il est... J'ai besoin d'une clé, manifestement. Ah, Je sais pas ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un a des things to... Des outils de... Moi j'ai pas, mais je peux péter le truc si jamais à la main. Ah, moi je peux pas... T'es en conversation, Anna? C'est qui a pété le liquide, là? C'est pas moi. Hein. On lui parle ou pas alors? Et il est en train de jardin. Ah. Ah oui oui, moi j'attends pas, j'adore lire les dialogues. Ouais mais nous aussi. Moi j'ai pas bien l'histoire, alors allez le. Sinon je vais être pauvre. Là elle nous a juste demandé de lui ouvrir. Okay. Mais il y a des runes de protection. Donc là, je vais faire Shin Explose est lié par magie à cette console. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Allez, on peut plus la prouver. Hein. Ah, alors, en même temps, ça. Est-ce qu'on a trouvé un truc pour ouvrir cette daube? Il y a un truc qui se met là-dedans, mais quoi? Ah, voilà. Hein? T'as trouvé? Chercher un bouton, un interrupteur. Là, il y a un truc qui a marqué touch sur la console à côté de nous. Vas-y, let's go, je touche. Une cavité vide. On va frapper, sait-on jamais. Dans le doute. Tapez dessus. Bon, bah, bon allez, laisse les grands jouer. Laisse les grands jouer. Ouais. Ouais, je passe le sphincter. J'ai pas la moindre idée de. Ah, Arcane réussi. Par c'est contre. Comme ça, il lance déjà d'Arcane. Oh, c'est quoi cette bait par terre? C'est pas le truc qu'on a tué il y a 5 minutes? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, mais ça. Je veux pas se prendre un coup. Oh, il t'a dit que t'étais beau! Merci! Moi, je le tape. Ah, bah tu vois, là, dans l'ordre d'initiative. T'as d'abord les deux. Entre les deux, t'avais le méchant. Et donc, nous, on joue après. Okay, bah, vous en faites pas, c'est bon, vous pouvez jouer, il est mort. Est-ce qu'on peut pas déposer cette espèce de cerveau dans la console? Quelle espèce de cerveau? Ah. Le truc qu'on vient de buter, là. Attends, on peut essayer. Tu fais comme ça. Ouais, super. Super. Après, il y a une salle là, il y a deux salles qui suivent, donc peut-être qu'il y aura une. Bah, ouais, ça, j'ai ouvert ici et puis il m'a sauté dessus, moi j'ai eu peur. Bah, vas-y, je te suis. Ah, j'aurais pu. Oh, une clé. Trouver moi, une clé. J'ai trouvé la clé. Ah, bah, génial. J'ai trouvé la clé. Ah, non. Putain. J'ai trouvé la clé. J'ai une autre cinématique si jamais. Je viens de gâcher un sort. Et... Sinon, si vous voulez absolument suivre ce qui se passe. Normalement sur le menu d'à côté avec les personnages sur le côté gauche, dès que quelqu'un est en conversation, vous pouvez cliquer sur un bouton pour d'office participer à la conversation même si vous êtes loin. Où ça? Où ça? Attends. Voilà, normalement tu regardes à gauche, tu peux cliquer dessus. Oh, let's go. Ça c'est bon ça. Je crois que j'ai trouvé un esprit asservi. J'ai loot. Il y a un bouton là à pousser. Quelqu'un a poussé le bouton? J'ai full joyau sur moi. Je préfère m'en aller. Ouais, c'est pas grave, moi, j'ai pas envie de toucher à ce bouton là tout de suite. Je préférerais aller de l'autre côté et je vais retrouver un cerveau asservi. Je pense que c'est ce qu'il faut mettre dans la console pour aller libérer la madame. J'arrive, je crois. Bougez pas.
attendez. Attendez. Tu veux qu'on t'attende? Non, mais c'est plus. J'ai 2 PV et demi, alors j'aurais bien pris un truc de resto. Hein. Mais t'en as un tout au bout là, non? Ouais, faut juste que j'aille le chercher. Ouais, c'est moi, je pousserais. Je peux te soigner. Je pousserais bien le bouton. Non, bah, me soigne pas, y'a pas besoin. Allez. Tu peux me soigner. Et quand tu veux, on va. Vas-y. T'attends, inscrire sur l'appareil les glyphes que vous avez sentis à partir des runes de protection du caisson. Allez monsieur, excusez-moi, bonjour, je suis magicien. Posez les mains sur... Examinez la console plus attentivement. Arda, l'homme qui parlait au tentacule. Ah mais tu vois, par contre, je peux participer à la conversation, mais si je suis pas assez proche, je peux pas t'envoyer mes bonus. Ah. Donc il y a comme un avantage à être proche, quoi. Oui. Mais moi j'étais à côté, t'as pu utiliser Guidance ou pas? Non. Allez, faut que tu regardes en bas, t'as les... Non mais c'est toi qui dois lui donner. Ah bon? Guidance, c'est toi qui dois lui donner, je crois. Ah ouais. C'est toi qui choisis. Vas-y, mets ta main. Dans la conversation, si... Pose la main. Ah, je... J'aime bien l'autorité. Respectez mon autorité. Respectez l'autorité de l'alarme. Un degré de difficulté 2, ça devrait le faire. Hein. Rien qu'avec ton bonus, tu le passes d'office. Mmh. Ouais. Hein. Je sais pas ce que ça donne en français, mais en anglais, elle est stylée. Ouais, je le sais en anglais, c'est pas mal. Sans rassasier, c'est très bizarre, mais j'adore la narration. Oh. Miam. Il est full vieux ton perso en fait, Arda. C'est un sorcier accompli quoi. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Attends, j'arrive. Mais il y a deux conversations en parallèle, non? Ah mais non, j'ai redit. Bah, c'est de l'armadon. Oh les salauds! Ça fait une bouche de plus à nourrir. Mais elle se casse. Ouais. Bah oui, parce qu'on est déjà nombreux. Mais la limite est 4, sauf que là t'as la guide Yankee est obligatoire pour le scénar, je suppose. Du coup. Oui. Ah ouais. Je suis parti là. Alors du coup on avait un autre bouton qu'on n'avait pas poussé. Attendez, il y avait un coffre là. T'as pu l'ouvrir avec ta carte? Ah oui, il y avait. Oui. Il était où? T'inquiète pas, j'ai déjà vérifié. Il y avait quoi? Il y avait une malachite. Alors du coup, c'est par ici. Ouais, c'est par ici. Et un cimeter. Ah, pour les armes, ouais, ce que je vous avais dit. Hein. Proms sur les Morgenstern et les armes à deux mains. Moi j'ai trouvé une... C'est quoi un cérébral? Ah, putain, des aquariums cérébraux. Moi j'écoute Katox. Moi j'écoute Katox. Attendez, pourquoi il y a deux dialogues là? Je vois celui de... La Témir et celui de... Il se passe rien, j'ai bugué, je crois. Ah. Oups. Oh, la boulette. Pardon. Il y a un dialogue, quoi. Il y a une cinématique même où il y a une personne qui se transforme en Manflayer. Ah, bah moi j'avais rien. Je crois que c'était pas ça, c'est pas la meilleure de journée. Hein. Pardon. Oh. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce truc? Moi, j'ai pas trop envie de... D'accord, bon, on se casse. Ah, tu t'as d'ailleurs, ok.
T'étais plus là, déjà. Oh bah, j'étais juste 2 mètres derrière. Hein. Alors, où sont passés nos deux amis? Ils sont partis super loin, si tu regardes sur la boussole. Ah ouais, ils nous ont pas attendus. Ils se sont barrés, les coquinous. Ouais, tu sais que tu peux arrêter de piquer battu, s'il te plaît, 14. Merci. C'est le nain qui dit ça? Ah bah, entre tes mains à toi, tu sais pas faire. Aquarium cérébral. Non mais... Ah, ils se mettent des coups, c'est malin. Attends, je te rends des tuiles. Oh, c'est trop bien. J'adore ce jeu. Ah non, faut pas marcher dans le feu. Tiens. Ah oui, on en est. Ah mais t'es sérieux? Ils se mettent des mandales, les pauvres. Allez, next. Pas le temps de miser, les copains. Tiens, prends ça. Allez. Alors, ça va? Faut rappeler. Ça va la forme. Sur le truc. C'est bon? J'ai soigné. Non, mais parce que. Are you right? Ah, oula. Voulez-vous accéder à la passerelle? Oui. 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 Avant quand? Avant qu'il y ait de nouveaux décès de la faute du nain. Attends, je vais un peu. Ah, super. Non, c'est bien parce que là, j'ai claqué des sorts inutilement. Oh, oh, cette épée. Ah, non, c'est un autre. On n'a pas l'épée, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je la veux. Moi, je peux pas la mettre, mais. Il est d'office moyen de le buter. Alors, j'ai essayé sur ma partie là avec la barbare et c'est un peu tordu quand même. Non, mais là, on est 4. Je suis sûr et moyen. J'avais 4, ça va le faire. 5 même, Yael. Ah, bah, manifestement, on est pas très fort en initiative. Hein. Ah, moi si, je crois. Il y a un sanglier infernal. Je me le fais. Après les gros trucs, peut-être les laisser à la guerrière. Bon, il est mort. Allez. Ah non, on a 15 tours pour arriver à l'autre bout de la passerelle. Je pense que ça devrait aller à 4. Hein. Ouais, c'est faisable, mais... C'est marqué où 15 tours? Ah, c'est là-bas, ok. À la droite. J'ai vraiment une initiative de merde. Hein. Mais t'es un mage, c'est normal, moi je suis full dext avec mon bonhomme. Ouf. Ah, perdu. Perdu. Il y a des spells, c'est stylé. Ouais, ça donne bien. Hein. Ah, mauvaise idée, je suis passé dans le feu. Allez. Dommage. Oui, oui, je suis là. Alors sachez que quand vous voyez un statut comme ça, genre Arda qui est en flamme par exemple, vous pouvez utiliser le aider, l'action de classe aider, pour l'éteindre. Pareil s'il est endormi ou autre. Ça fonctionne avec quelques altérations comme ça. Ils se mettent des grosses tatanes les mecs hein. Alors ça sert à rien de les taper en fait. Ah si, faudrait essayer de bousiller le commandeur. Vas-y, je suis sûr. Oh, en plus je l'ai essayé. Allez, c'est qui le patron? Oh les gars. Moi je le défonce hein. On est parti hein. C'est on a 14 tours pour le battre. Ah, on est d'accord, c'est Katox qui doit jouer là. Ouais. Bah ouais. Tu veux vraiment faire ça? Attends, moi je suis au Je... Non, sans déconner, fais pas ça. Oh là là. Il va me tuer. Vas-y, il y a sûrement moyen de le faire quoi. Attends, je vais le choper. Ignorer le diable, arrêtez de dire ignorer le diable, on va l'éclater. Waouh, 1 PV, c'est pas top, mais. À coup de 1 PV, bien évidemment. Il y a plus que 120 coups à mettre. 121. Il a une défense élevée, je pense que je vais rien lui faire. Alors, on va faire ça. Voilà, j'ai raté. Vous avez combien de pourcents de chance de le shooter? Parce que là, je vais. 0. Moi, j'étais à 60. Ouais, bah, alors, toi, je te mets à gagner. Et toi, Katox? J'étais pas très élevé moi. Mais la galère sur le monk. T'as à combien? Parce que là j'ai mis Bless sur le main player et sur AT. Mir. Le dernier c'est sur qui que je le mets? Bon allez. Bah sur moi ce que je vais remonter, je vais prendre un peu. Oh sur toi, allez. Comme tu veux en fait. Après je sais pas si Bless ça marche sur les spell attack.
Ah tiens, moi j'avais 35%. Ah non, là ça aide un petit peu, c'est pas non plus tout de... Ouais, ouais non. Ah bah t'as fait... Ah oui, bah... J'essaie de le tourner, j'essaie de le contourner moi. Oh oui, si ce n'est que ça, ça va. Je m'en occupe moi-même. Effectivement. Oh bait. Pas mal. Vous avez pas des petits scrolls de sort hein? Oh, c'est gentil ça, merci. J'ai pas un scroll de sort, mais par contre, j'ai ça. Chante pour moi. Si tu l'as mis bless, il fait des clipmiss quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, la boule de feu sur la cuve. La boule de feu sur la cuve. La boule de feu sur quelle cuve? Juste à côté du cambion. Mais et si je fais ça, c'est pas grave. Nos potes ils vont prendre. I can't take it. Allez, le prochain qui attaque, il aura avantage sur le comment dire, sur le commandeur. Ah. Oh, bien joué ça. Ouais parce que tous les autres ils étaient trop loin, je pouvais pas attaquer les diablotins inférieurs et le sanglier infernal. Essaye de t'écarter un peu et moi je vais essayer de le pousser et comme ça on pourra peut-être le faire exploser, ça ne pourra peut-être pas nous toucher. Mais je sais même pas ce que ça fait quand ça explose en fait. Pas bien, ça fait pas du bien. Ah ouais? Est-ce qu'on teste? C'est hard. La campagne qui dure un épisode parce qu'on est mort. C'est ça. Alors on n'a pas réussi à passer le tuto, bonjour. On a tenté des trucs, ça a fait mal. Il tape notre pote là, donc c'est cool. Moi je vais essayer de faire ça. Oh non, il a réussi. Non, c'est vrai, il y a Kotox qui s'amuse tout seul. Bah, j'évite de nous faire contourner. Sachant que moi à la base je voulais leur balancer des missiles dans la tronche, mais j'étais trop loin. Ah, je peux faire un plus 6, un plus 1 des 6 sur le jet d'attaque. Qui veut absolument rater. Qui a un gros sort à lancer qui veut pas rater. Non, ah moi ça va. Moi c'est bon, j'ai déjà tout. Ouais. J'ai rien. Non, Guiding Bolt, j'ai 50% moi perso, donc c'est peut-être pas suffisant pour. Bah tiens, essaye ça. Ok. Ah, attendez. Wow. Oh, il l'a étourdi. 24, il lui a mis. 24, il lui a mis surtout. C'est bon, on va le descendre. Hein. En fait, faut juste pas qu'il meure, notre pote en fait. C'est pas notre pote, c'est un flagelleur mental. Ouais, ouais, c'est notre pote, il nous a mis sa larme dans l'œil là. Père. On arrive à titre. Alors que le gars il est stun quoi. Oh non. Ah ouais, mais il a des résistances dans tous les sens, hein, c'est. Ah bah non, je peux pas faire. Pourquoi je peux pas faire Guiding Bolt? Parce que t'as peut-être déjà plus de sort. Non, c'est ça mec. Ah ouais, non, j'ai plus de spell slot en fait. T'as plus de slot? J'ai eu un peu chaud. Il se passe d'un coup là. Oui. Je me suis senti pas bien. Moi j'ai pas joué. Parce que t'es mauvais. Ah si c'est bon. Okay. Allez, ah oui, il bourre. Ah comment tu le bourres, sérieux c'est. Bah j'ai plus de ki donc je pourrais plus le refaire mais... C'était beau quand même. Alors, en vrai ça va tu vois, en 3-4 tours on lui a fait plus de 50% 52 dommages en vrai ça. Il était faire, il hein. Était déjà amoché. Non mais on était à 121 tout à l'heure, il est à 70, hein. On lui a fait 52 dommages là tu vois en 3 tours. Ah pas le Mindflayer il est un petit peu quand même. le petit 24 de tout à l'heure était pas mal. Tant qu'on le garde en vie, en vrai, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Son arme, elle est stylée là, t'as vu cette épée si on peut la choper? Ah oui, c'est oui, vrai, oui. Ou Katox, oui, il est parti looter en scred. Mais il a bien raison. Si j'étais pas au cas. Ouais, j'ai un objet à j'ai eu un objet à lancer. Je peux lancer de l'acide. Ah, il a mis. Oui, alors nous, hein, bon, on est autour. Ouais, ça va. T'es un prêtre, tu sais te soigner. Waouh! Ouais, il doit y avoir moyen. Ah, deux, bien joué. En fait, je devrais mettre inspiration de barde sur le Mindflayer. Il tape pas quoi. Tu veux que je tape? Je suis trop loin pour taper. Bah,
Ouais, mais pourquoi t'es parti si loin? Oh, let's go! Ah ouais! Bah voilà! Ah bah, fallait faire ça plus tôt là! Le mec vient de faire 11 de dommages, pourquoi t'es parti? Pourquoi je suis parti? C'était mon dernier sort, je peux plus le lancer lui, je pense. Ouais, t'as pas un petit cantrip là pour la suite? Comment ça s'appelle cantrip en français? Si, j'ai mon froid glacial, mais sort mineur. Okay. Ouais. Mais bon, voilà. Ah, c'est mieux que rien. Hein. Ah, je crois qu'il a des potes qui sont arrivés. Ou ça? Oui, oui. Je sais pas, oui. Il y a des gens qui sont rajoutés dans l'initiative, donc je suppose. Ah, il y a un cambion. Il y a deux. Il est où? Deux. Ah ouais. C'est... 82 PV. Mais... Heureusement que je suis pas loin de la console. Ah, attends, tant qu'on n'est pas mort, on continue. Hein. Let's go, il reste plus que 50 PV. Allez. La grid toujours. La grid. Non, mais en plus, ce Manflayer, il est pas, il a pas pris si cher que ça, donc peut-être qu'il peut lui. Ah, mince, il faut que je enter. Par contre, ils sont arrivés où les autres machins là? Parce que je les vois pas, hein. À l'entrée, je crois. Ils sont assez loin, il me semble. Ça se tente ou ça se tente pas? C'est quoi? Mais vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Pas de dedans. Attends, mais en vrai, le play là, c'est de le shove dedans avec Mjolnir parce que c'est sur la force. Et après, on fait péter le Nautiloid tank là. Ok, d'accord, je vais essayer de faire ça. Sachant que c'est une action bonus, je crois, de shove. Ouais. Ouais, mais par contre, là, ouais. Si je le fais, je le mets au cac avec Katox. Ah. Et je le pousse super loin, je... Ah, vas-y, c'est trop fort. D'accord, c'était pas ce que je voulais faire, mais... Putain. Oups. Alors, est-ce que je tente un trait de feu? Vas-y. Vas-y, do it. Au pire, qu'est-ce qui se passe? L'enchaînement. Non, mais si, il a pris des dégâts aussi. On pourra faire du deep. On pourra faire du deep dans le feu en plus. Bah, exactement. Bon, du coup, est-ce que je vais jusqu'à la console et que je l'active ou est-ce que j'attends encore un tour? Attends, on a encore 10 tours, c'est bon. Je dis, on est large. Il a 33, c'est bon, les camions. Bon, du coup, je vais me rapprocher dans ce cas-là. On a bien 2-3 tours avant que le camion arrive. Tant que t'es à un tour de la console avec un dash, c'est bon. Je pense que vraiment le timing a été très bon. J'aurais poussé un petit peu avant. C'était bon. Les camions, ça va, ils ont le temps d'arriver. On a encore 2-3-4 tours, facile. Je fais un petit dip. Si je veux aller le taper. Moi, j'ai pas spécialement envie d'aller dans le feu, là. Rien ne t'empêche d'y aller. Enfin, rien ne t'oblige d'y aller. J'ai le droit de faire 11 mètres. Oh! Critique! Et plus 4 dégâts parce que c'est du feu. C'est pour ça qu'il faut deep dans le feu. Parce que plus 1 des 4, ça fait plaisir. Bah ouais. D'accord. Par contre, ne passe pas dans le feu. Non. Ouais, je vais réfléchir à une stratégie pour pas y aller. Bah tu sautes au-dessus. Non, bah non, parce que c'est une action bonus et j'ai déjà deep. Et aussi. Allez, 7! C'est une action bonus. Allez, de sauter. 18 PV, on va d'office le choper, hein, les gars. Allez, ça va, ils sont au début, ils arrivent dans la salle, les cambions. Même avec des dashs, on a le temps. Allez. Let's go. 75 points d'expérience, ça fait du bien. Ah, mais. What? Et il a tué notre pote, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas nous. Ah, il est passé dans les ennemis. On compte sur toi pour. C'est bon. Attends, mais ça veut dire que je m'arrave le Mindflayer? Non, loot. Ouais. Ouais, non, bah c'est bon, c'est ouais, loot. Ok. Super. Pourquoi est-ce que le flagelleur mental nous attaque? On s'en fiche, c'est pas grave. Là, on peut pas vraiment le buter, le Mindflayer. Il est level 8. Tu miras l'autre aussi. Faut la sauver, Micheline. Ouais, c'est bon, on avance. Okay. Du coup, c'est bon, je lance la TP. Ouais. Ils ont juste des épées, les autres là. Ils ont pas de truc qui est en feu. J'avoue que c'est l'arbre en feu. Bah là, c'est bon, je l'ai. Stylé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? Voilà. On a fait un succès! Fuite de l'aventure! Avec le petit Drake qui arrive. C'est résistant quand même.
La vie ne tient qu'à un fil. Ah, littéral. T'es brave, frère. Allez, l'attraction. Utilise la force. Plus soit normalement en force. Pas celle-là. Bon, on a fini le tuto, les gars. Ouais, et ça, c'est beau. Chez nous, on est presque pas morts. Les plus grands dégâts qu'on s'est pris, c'est entre nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Les deux mises en inconscience, c'était quand on se tapait dessus. C'est vous ce que j'adore. Ils ont l'air de... Genre, ah, la belle bleue, regarde. On sent un regard de jugement, non? Bon, tiens, allez, dégage. Ah, même l'histoire ne veut pas de toi. C'est ça. La violence du propos. Cette moustache. Vous voyez, très cher viewer, on s'adore les uns les autres. On s'aime beaucoup en général, mais aussi en général, on ne peut pas forcément dire ce genre de choses à Kadok, sachant que c'est notre ami. Qui aime bien en scénarium. Un coussin en scénarium. Mais non, c'est ton ange gardien. Ouais, c'est scénarium, quoi. C'est ça, oh, oui. Et sur ce, on va stopper l'épisode là. Ah bah parfait, pause. On vous fait des bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt.